Je range mon téléphone. Non, je vais de quoi. J'ai pas. Non, je te le ferai pas. Moi, je me foutais avec le pote. Vache. Bouge pas, reste là. Checkez votre environnement. La menace peut continuer. S'extraire. On y va. Je m'appelle Benjamin Giraudon, je fais partie de l'association Armad. On pratique au sein du Paris Université Club, du PUC, dans la section Krav Maga Self-Défense. Là, l'exercice, ça va tout simplement de générer une situation qui soit dynamique, d'accord, qui est pour l'instant ludique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agressivité. Le but, c'est pas de frapper, ça va juste être de toucher. Toucher, donc travailler un, ses réflexes, un petit peu son instinct. Travailler aussi le fait d'être capable de visualiser une cible et de l'atteindre. Ce qui est déjà un peu la base. Frapper fort, c'est bien, mais si on n'est pas capable d'atteindre une cible, ça devient vite compliqué. Donc là, on commence par la première étape. C'est dynamique, ça bouge. Mais voilà, sans agressivité, ça va changer. Il n'y a pas... En plus, l'intérêt, c'est que les gens de chez nous travaillent habillés comme ils désirent. Il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de grade. Donc, ils vont alterner de personne en personne sans forcément se caler par rapport à un niveau. Ça va être la première personne qui vient et composer avec ce qui arrive. Sans tomber dans une complaisance ou se placer au-dessus ou en dessous de quelqu'un. L'association Armad a été créée il y a 10 ans avec mon ami et associé William Hernandez. Donc, on travaille ensemble donc sur chaque cours. Le concept Armad, en fait, c'est plusieurs techniques qu'on a été piocher un petit peu dans toute la France. Et on a pris un petit peu de chaque personne ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, qu'on a incorporé dans notre système, qui permet à n'importe quelle personne de pouvoir se défendre sans avoir de gros bagages arts martiaux. Pour nous, même en l'espace d'un an, on estime que si la personne va dans la rue, on sait qu'elle va y aller, mais en étant confiance, en ayant confiance en elle, quoi. Mes mains sont devant. Oh, je ne veux pas me battre. En fait, je suis en train de préparer ma garde. D'accord ? S'il te bouscule. Non, rien, monsieur, rien. Ah, bah là, c'est fini. L'action va plus vite que la réaction. Donc, si tu mets une gifle, le temps que ça monte au cerveau, là, en disant « Ah, agression, machin », je suis mort. Il me bouscule. Oh, c'est bon, monsieur. Moi, je viens traditionnellement du jiu-jitsu. Ensuite, on est rentré dans le Krav Maga. Et ensuite, on a encore évolué sur une technique plus ouverte où on s'est vraiment axé sur la self-défense pour sortir réellement du cadre d'un style et pouvoir composer finalement avec tout ce qui marchait dans les autres. La technique est une chose, elle est importante pédagogiquement parlant, mais finalement, on s'est rendu compte auprès d'influences d'autres personnes comme Lee Morrison, comme David Taïeb et le Tribal Défensif, comme de l'expérience de Paturel, enfin, entre d'autres courants, que la détermination, la psychologie, la partie finalement qui n'était pas la plus technique, mais qui était celle qui était vraiment personnelle et qui était de l'ordre de l'implication lors d'une situation, mais qu'elle soit aussi bien de l'ordre de l'agression que personnelle, ou voire même professionnelle, je vous dirais, était finalement, voire même des fois, beaucoup plus importante. Donc on a vraiment décidé de réorienter notre travail dessus, et c'est ce vers quoi on se dirige au sein de notre concept. Alors concept, c'est un bien grand mot, dans le sens où on n'a rien inventé, on n'est pas dépositaire de quoi que ce soit. On se considère voilà, plutôt comme des compilateurs, donc on n'a rien inventé, et ça c'est important parce qu'il faut savoir aussi rester à sa place et aussi reconnaître le travail des autres. Il y a des personnes qui ont développé des choses qui sont très très bien et qu'on réexploite, et on le fait d'ailleurs en les citant, et c'est important dans le sens où aussi de faire prendre part à nos élèves que la vérité ne vient pas de chez nous. Nous, c'est une compilation de données, que s'ils veulent et qu'il faut qu'ils continuent d'ailleurs sur cette lancée-là, par le biais de stages. Nous, on en fait beaucoup à l'extérieur, et on essaie justement de leur ramener chaque année des personnes qui sont hors de notre courant, qui nous apportent, qui apportent à nos élèves, et voilà, et qui apportent au plus grand nombre aussi, quoi. On structure un cours de façon toujours à peu près similaire, c'est-à-dire qu'on va commencer par une base de renfort musculaire, une part de cardio, qui est libre d'appréciation. Et ça, c'est important. Dans le sens, pour nous, le but qui compte, c'est l'évolution de la personne. C'est-à-dire qu'on a des cours qui sont mixtes, c'est-à-dire qu'on prend si bien des jeunes que des personnes, que des quadras, que des personnes. On a un autre doyen qui doit avoir dans les 60 ans. On a des féminines, on a des masculins, des débutants, des confirmés. Chacun là-dedans doit pouvoir trouver sa place et évoluer à son rythme. Ce qui fait que, par exemple, la partie renfort musculaire, elle digne exemple. On a des jeunes de 20 ans qui vous font des pompes jusqu'à tire-larigot. On a des personnes, des débutants qui commencent, qui vont en faire une, voire deux. Ce qu'on leur conseille, c'est de gérer leur physique, mais par contre d'évoluer de cours en cours. Peut-être de commencer à une, puis après d'en faire deux, puis trois, et de finir la fin de l'année à 10. Et ça sera parfait pour nous. Le renfort musculaire, ça fait partie donc vraiment du travail. La deuxième partie va être une partie qui va être plutôt être de l'ordre de la mobilité, commencer à travailler son ressenti, son instinct.
ce qu'on a vu tout à l'heure sur le système de touche. Le but, le premier, c'est d'apprendre à leur faire visualiser une cible et l'atteindre, tout en étant dans un esprit dynamique, travailler son instinct, sous un système un peu de jeu, ludique, enlever pour l'instant l'agressivité, ne pas la mettre trop tôt au risque de les déstabiliser ou d'avoir le travail inverse, c'est-à-dire de les effrayer, et finalement quelqu'un qui débuterait s'arrêterait en disant « Oula, c'est quoi finalement, dans quoi est-ce que je me suis lancé ?» de l'amener petit à petit, et pas trop tôt. C'est le plus difficile, je pense. Si vous rentrez dans la défense, il faut rentrer. On ne peut pas se contenter de demi-technique. Ok ? Lui, s'il vous agresse, il n'est pas au club. Il n'a pas fait d'arts martiaux, pas fait de boxe, c'est pas un sportif, rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est vous démonter la tête. Donc au niveau détermination, il part à high level. Donc quand il va vous frapper, quand il va envoyer, il va y avoir du monde derrière cette frappe. Derrière cette gifle, il y a toute son intention de vous dévisser la tête. Si vous lui opposez juste votre technique ici, c'est le balayage de ta vie. Et lui va t'emmener les mains, la tête, ton ego, ta fierté, et va te renvoyer chez toi. Ici, on va travailler simple, petite distance. Là, je vous fixe directement, vous allez être dans un métro, dans un bus, dans une rame. J'ai pas beaucoup d'espace. Ici, quand je rentre, je vais rentrer dedans. D'accord ? Déplier mes mains, toujours très court. On va faire simple, j'accroche, je passe mes hanches sur l'avant et je vais venir le monter sur mon genou. Ici, ok ? La deuxième partie va plutôt être de l'ordre de la technique. Où là, effectivement, on va leur faire travailler déjà une première partie pas haut pour travailler les percussions en elles-mêmes. Taper, apprendre à frapper, apprendre à réellement percuter. S'en suivra une partie donc technique approche de mise en situation. Donc on va leur montrer effectivement, on va se fixer sur un système, on va repasser un petit peu, on pourrait dire, sur du codifié, histoire de travailler un peu technique tout en laissant une liberté. C'est-à-dire qu'on leur montre les grandes lignes de passage, après en fonction de leur forme de corps, de leur gabarit, on les pousse aussi de temps à autre à sortir ou à longer pour adapter et à s'accaparer la technique. La dernière partie travaillera plus sur le ressenti et la gestion du stress où finalement on va les relancer dans le système d'agression qu'ils ont vu en leur laissant choisir celle qu'ils désirent dans le catalogue et à eux de trouver une solution. Alors certains referont exactement ce qu'ils ont vu, d'autres vont composer, d'autres vont innover. Le but, ça va être qu'ils s'accaparent finalement ce qu'ils ont vu, un petit peu comme un système de bibliothèque où on va leur montrer le plus d'ouvrages possible et à eux après de compiler pour écrire finalement leur propre histoire. Alors, prenez l'instant. On travaille déjà sur des bases. Donc, bien sûr, il faut savoir donner un coup de poing, il faut savoir donner surtout le coup de coude, qui pour nous est une arme, qui est la meilleure au niveau du corps. Après, on les met en situation. Donc, soit on les met contre le mur, soit on les met dans des endroits où ils ne peuvent pas du tout bouger. Quoi. On essaie de leur parler, on essaie de voir ce que tu peux faire par rapport à ça. Qu'est-ce qui se présente à toi comme arme ? À savoir que la tête, c'est l'ordinateur. Donc à partir du moment qu'on l'éteint, il n'y a plus d'autres membres du corps qui bougent. Donc la priorité, c'est déjà d'aller chercher la tête. Après, essayer de vraiment de rentrer, on essaie de les titiller, de les bousculer, de les mettre vraiment dans une situation qui se disent « bah ouais, c'est vrai que là, je peux pas y aller ». Et donc vraiment, vraiment beaucoup de mise en situation dans les toilettes. Pareil, travailler dans des toilettes, on a horreur d'aller au sol. Donc à partir de ce moment-là, on va essayer de se débattre parce que j'ai pas du tout envie d'aller au sol dans les toilettes. Ou alors dans les parkings, on travaille aussi beaucoup dans les parkings, dans des endroits bien sombres, où là, l'atmosphère n'est pas un tatami, on n'est pas bien avec son t-shirt, toutes ces choses-là. Et on les met aussi beaucoup, on aime beaucoup, c'est les faire habiller en tenue de tous les jours. Il n'y a pas, nous, chez nous, on n'a pas de kimono, on n'a pas, tu viens en survêtement, en short, tu viens habiller comme tu veux, dans la rue, tu seras habillé comme ça. Voilà notre base, quoi. On pratique aussi les défenses sur armes. Après, il y a des défenses qu'on ne pratique pas, je sais que tout ce qui est armes lourdes ou quoi, c'est des choses que nous ne faisons pas. Donc ça, les armes à feu, pas énormément. On travaille plus sur le couteau. Et actuellement, on est dans une grande recherche parce qu'à un moment, il faut être honnête, on n'a rien trouvé encore qui soit réellement, réellement satisfaisant. Donc on travaille sur armes blanches soit, mais de façon, pour l'instant, qu'on juge nous honnête en disant on n'a pas encore trouvé la solution. Voilà ce qu'on a trouvé ailleurs, voilà ce que font les autres. On vous le remontre, on vous le laisse. Faites-vous votre propre opinion. On essaye de principalement les responsabiliser vis-à-vis de l'arme blanche. Pour moi, si finalement ils ont compris que quand quelqu'un sort un couteau, que ça ne va pas être une technique lambda, comme une gifle, mais qu'à la limite, la peur doit vraiment prendre le pas, s'ils ont déjà acquis ça et qu'ils respectent finalement l'arme qui est sortie, pour moi, ils ont fait une grande partie du travail. Après, effectivement, il y a des choses possibles, d'autres ont des très bons systèmes. Voilà, nous on retranscrit et on travaille encore dessus. Top ! 1, 2, 3, 4, 5. 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tu descends. 1. Remonte, remonte, remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu tournes. Tu tournes, 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 tu tournes. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il agresse. Ok. Au niveau matériel, en équipement, on travaille avec des PAO pour les systèmes de percussion, pour les systèmes de scénario. C'est-à-dire que pour pouvoir à un moment rentrer dans quelque chose de plus immersif, et on sait que lors de l'immersion va venir le stress et généralement la puissance associée à ça, via la peur, via le manque de contrôle, on équipe nos plastrons d'armure. D'armure, de casque lourd, pour que justement, ils puissent retravailler effectivement la partie technique entre eux. Et ensuite, on fait défiler lors du cours des personnes qui sont équipées d'armure et qui vont les mettre un petit peu sous stress de façon modérée. Et ce qu'on va pouvoir, ce qu'on va demander à nos élèves, c'est finalement de pouvoir rentrer. Mais rentrer au niveau de l'instinct, au niveau du ressenti. Alors, la technique varie, ça varie pas, mais il faut rentrer avec détermination et c'est ça qu'on demande. Et le fait d'équiper, taper sur quelqu'un, c'est pas quelque chose qui est naturel. Donc pour des débutants, le fait aussi de tomber sur des personnes qui sont équipées, plastronnées, ça leur permet aussi d'accéder à ce stade de confiance. Ok, top! Allez, on y va! Allez, on y va! Allez! Allez, on se défend! Allez, on se défend! Allez, les filles! Allez, les gars, vite! Comment est-ce qu'on travaille la détermination? C'est pas forcément une question de puissance. La puissance, vous pouvez l'acquérir par les PAO. Vous pouvez frapper sur des sacs de frappe et vous aurez un très très bon travail sur votre jeu de puissance. Non, la détermination, on l'acquiert par rapport, pour nous, et l'expérience qu'on en a, bien sûr, par rapport à la confrontation de votre technique sur une situation plus ou moins réelle. Bien sûr, ça n'empêche, on n'est pas au degré d'une brutalité, d'une agressivité niveau 10 qu'on pourrait retrouver par rapport à un agresseur, mais on y monte étape par étape. Mais c'est aussi de se dire que mise sous stress, c'est avec quelqu'un qui est réellement déterminé, à qui on a mis des gants de boxe et qui va finalement vous secouer, qui n'agira pas avec complaisance, voir que sa technique fonctionne, qu'on a réussi à s'en sortir, ça vous redonne une partie, on regagne en confiance en soi au fur et à mesure. C'est pas forcément en tapant le plus fort ou en faisant un combat, parce qu'un combat, ça va être une question technique, il est plus fort, moins fort. Nous, notre but, c'est de former finalement des personnes, des survivantes, c'est-à-dire leur but, c'est de sortir. C'est pas d'être injusticier, c'est pas d'avoir reproduit la technique, c'est de sortir. Alors certaines vont se contenter, vont être des personnes qui, lors de la mise en entrée, vont percuter tout de suite et vont sortir, ce qui nous convient. Mais ce qui compte pour nous, c'est voilà, ils sont partis, ils doivent finir en se disant « j'ai réussi à sortir ». Et de là monte la confiance. Le scénario training, c'est un exercice qui est assez compliqué, dans le sens où, déjà pour des raisons de sécurité, il faut que c'est quelque chose qui soit relativement cadré, donc il nous faut du staff. Deux, il ne faut pas l'insérer trop tôt. C'est-à-dire que sur des personnes qui sont confirmées ou qu'on sent très à l'aise, on va les envoyer, on sort carrément du dojo, on fait des sessions externes, dans des parkings, dans des vestiaires. Donc ça, ça se fait sur un deuxième courant d'année. Si vous l'insérez trop tôt, vous avez l'excès inverse. Vous allez avoir une personne qui, elle, est en cours d'acquisition, qui va essayer de se défendre et qui ne va pas réussir, et qui va se dire finalement, bah, j'y arrive pas. Et j'y arriverai pas, bah, autant que j'arrête, et qui va vraiment rester enfermé dans son rôle de victime. Donc, le but, c'est de le monter crescendo. Et bonne étape, mal jugulé, on a vraiment l'excès inverse, et c'est plus néfaste que positif. Donc, ça sera plutôt sur des personnes qu'on cible, savoir s'il y a une envie déjà, que la personne ait envie de le faire. Deux, il faut qu'on la juge apte à le faire. Et ensuite, équiper, protéger. On a des personnes qui se sont révélées dessus. Des personnes qui manquaient de confiance en elles, pour qui ça a été très violent, psychologiquement parlant. Il y a eu des larmes, c'était vraiment... Mais qu'on passait le cap. Et quand ces personnes passent le cap, elles franchissent une étape qui est high level. Pour nous, les clés, ça marche pas. Enfin, c'est pas que ça marche pas, c'est vraiment réservé à des professionnels. Des professionnels de la sécurité, les professionnels de la police. Les personnes, les parents ou autres qui veulent apprendre à se défendre, c'est pas pour faire, emmener des gens au sol. Parce qu'une fois qu'on l'a emmené au sol, on sait plus quoi en faire. Pour moi, c'est les genres de clés ne marchent pas, ou alors marchent, mais pour des personnels bien ciblés. Voilà, beaucoup de percussions et surtout savoir se défendre et surtout avoir vraiment l'instinct. Se dire, voilà, je suis là, il faut absolument que je sorte. Donc, j'ai pas d'autre moyen que d'être méchant, que d'être violent. Après, la violence, entre parenthèses, parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal un petit peu à rentrer dans la violence, à se dire de mettre des doigts dans les yeux ou autre, c'est pas évident. Donc, on les met en situation exprès pour vraiment sortir ce qu'ils ont en eux. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'ils développent encore plus
que des simples droite, gauche, esquive ou des choses comme ça. Donc toute leur rage est là et c'est là qui, pour nous, est super intéressant. Hein. Et on leur prouve comme quoi qu'ils sont capables de pouvoir se défendre. Ce qui se passe, c'est qu'on les filme. Alors à peu près tous les 3-4 mois, on les fait en mise en situation et on les filme. Après, on leur envoie la vidéo et on leur envoie la vidéo de septembre, on leur envoie la vidéo de décembre, on leur envoie la vidéo de mai. Et à partir de ce moment-là, ils voient, ah ben dis donc, c'est vrai que là ça n'a pas été très bien, mais là, dis donc, je me suis vachement bien amélioré parce que j'ai travaillé plus mes coudes, j'ai travaillé plus mon déplacement. Et à la fin de l'année, ils se disent, ah mais c'est rien, j'ai pu faire. J'ai des petits bouts de choux qui sont arrivés, enfin des bouts de choux, je veux dire 14-15 ans, ou même des dames qui sont arrivées au début, qui avaient très très peur. D'aller au combat, quoi, d'aller à la bagarre. Et à la fin de l'année, on est obligé de les stopper tellement ils en veulent pas possible. Quoi. Donc c'est ça qui est. Et ils adorent ça. Donc on les fait. Les ceintures, le problème, c'est que justement, on récupère beaucoup de personnes des ceintures. Parce que cette année, c'est ceinture jaune, donc c'est le programme. L'année prochaine, c'est ceinture orange. Et nous, c'est pas notre but. Nous, voilà. Moi, malheureusement, la ceinture noire, je la porte jamais. Et c'est hors de question pour moi de la porter. On n'a pas catalogué les personnes en disant ah, lui, attention, c'est une ceinture orange ou lui, c'est une ceinture verte. Non, non. Tout le monde est dans le même bain, il y a des instructeurs, ils sont avec des débutants et c'est ce qui fait un petit. Puis on a une petite famille aussi, c'est l'esprit du club. Quoi. Malheureusement, tout le monde apprend à se battre, mais n'écoute pas la rue. Les gens n'écoutent pas les personnes qui sont à côté d'eux, les gens ne refont pas, ne voient pas les gens qui sont à côté d'eux. Voilà, moi je veux vraiment m'axer vraiment sur la psychologie, même quitte à aller dans une gare et observer les gens. C'est ce qui est au niveau de la self-défense, pour moi c'est vraiment très, très important. À partir du moment qu'on arrive à observer les gens, on gagne déjà 80% sur notre self-défense. À partir du moment qu'on fait des choses en évitant justement de devenir un vilain petit canard, on a gagné 80% de notre self-défense. Après, il y a la bagarre. Mais à la base des choses, c'est déjà observer les autour de soi, écouter. Beaucoup de personnes se font agresser dans la rue, mais ils n'écoutent pas derrière eux quand ils marchent, quelqu'un qui marche, quelqu'un qui tousse. Et ne serait-ce que ça, on peut déjà éviter 50-60% de notre self-défense, quoi. Au lieu d'aller tout le temps la bagarre. On a eu plusieurs personnes qui sont nues, qui étaient très très pro au niveau taekwondo ou autre. À partir du moment qu'on a commencé à être stressé, les enlever de leur environnement du tatami, ils étaient complètement perdus. Et nous, voilà, moi je veux vraiment le concept Armad maintenant, on connaît la bagarre. Maintenant, je veux vraiment avoir l'esprit psychologique, écouter la rue.